On reprend notre aventure, donc. On espère effleurer la fin. On espère, hein, rien n'est dit. Rien n'est dit parce que bon. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors. Où c'est? Ça a l'air d'être là. Alors, niveau 47. Alors, on a bloqué un petit slot là. Qu'est-ce qu'on se met 4. Petit faisceau de photons. Ah, lui aussi, il a un slot supplémentaire. On a pas trop le choix. Hein. On va mettre ça. Je crois qu'on a gagné aucun équipement. Hein. Ok, bon, j'imagine que rien... Je sais pas si quelque chose a changé, là. On va faire un petit tour, quand même, dans le monde, vite fait. Mais bon, souvent, les événements ont pas vraiment d'impact, hein. On sent les mecs qui sont bloqués. Ils vont quand même tout de même voir. Mais c'est vrai qu'on est assez figé, là. Les élixirs, on en a assez. On va se racheter quelques pastilles. Ouais, non, hein. Ils ont l'air de s'en foutre de ce qui se passe, hein, dans leur propre monde. C'est la fin du monde, mais tout va bien. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on irait pas voir indirectement à quoi ça ressemble, hein? Alors, sauf que je sais pas comment on y va. Ça commence. Est-ce qu'il faut qu'on reprenne... Où c'est qu'on l'avait... Il faut qu'on retourne à Chronopolis, alors? Il faut, reprenne... faut qu'on reprenne le vaisseau pour y aller? Oh, quel... Quel... Quelle démarche ça demande, hein? Ah non, mais il fallait pas retourner... Non, je suis con, faut retourner sur la plage, ça me revient. Excusez-moi, j'ai complètement oublié ce qu'on a fait vendredi. Oui, faut retourner sur la plage, maintenant je suis en train d'y penser. Ils ont dit de retourner là où tout a commencé, maintenant qu'on a l'œuf du temps. C'est quand j'ai vu l'objet œuf du temps que ça m'est revenu dans l'inventaire. Je fais, ah oui, faut qu'on en fasse quelque chose de ça. Alors attends, je crois qu'il faut qu'on aille là. Hop.
Une petite save. J'imagine qu'il faut qu'on utilise du temps. Non? Alors c'est même pas ça en plus. Ah. Peut-être pas ça dont il parle là où tout a commencé. Ah, ça va faire juste changer de... Ça fait changer de monde. Ah! Pourquoi il y a... Attends, on a du nouveau truc là. Alors les persos, je peux pas leur parler. Ah si, je peux leur parler. Nouvelle espèce est sur le point de naître sur cette planète. Une forme de vie extraterrestre encore plus évoluée que la Vos que nous connaissons. Dans le néant au-delà du temps, Sarah, alors affaiblie, s'est retrouvée sous l'emprise de la Vos. Et tous deux forment désormais une seule et même entité. C'est maintenant à toi, celui que la flamme gelée a choisi, comme son arbitre, que revient la décision. Tu es le seul à pouvoir décider de la façon dont le nouveau Lavos qui a intégré Sarah... C'est qui Sarah? Tes actes détermineront si à l'avenir le temps lui-même sera dévoré par Lavos, menant le monde à sa perte inexorable. Yash avait prévu ce qui allait se passer depuis son monde en l'an 2300, et il était bien décidé à empêcher que cela se produise, qu'importe ce qui lui en coûterait. La croix du temps, c'est la seule chose qui puisse synchroniser les sonorités de la planète produite par les 6 types d'éléments. L'harmonie qui résonne dans toutes les formes de vie utilise la mélodie de la vie pour délivrer de sa rancœur et de ses souffrances, pour la délivrer. Serge, nous t'implorons s'il te plaît, sauf Sarah. Là où les anges s'égarent, il y a 10 ans, tu as perdu la vie à cet endroit précis, c'est incontestable, tu t'es noyé. En vérité, c'est ce monde dans lequel tu es encore vivant qui est l'anomalie, la réalité erronée. Il y a 10 ans, c'est Lynx qui a tenté de te tuer sur cette plage. Hein, lorsque Prométhée a rompu le lien entre Sor et la flamme, Sor a cherché à éliminer tous les obstacles qui se dressaient sur son chemin. En parallèle, les 6 dragons ont envoyé Harley pour récupérer la flamme. Elle est entrée en contact avec Lynx, incarnation physique de Sor, et est parvenu à le duper pour qu'ils unissent momentanément leurs forces. La suppression du système de sécurité du circuit Prométhée était pour tous une priorité. Link et Harley ont enlevé Luca, la seule capable de passer outre le système de sécurité de Prométhée qui protégeait la flamme. Mais cette tentative se solda par un échec, alors ils ont simplement patienté jusqu'à ce que tu apparaisses. Car vois-tu, Sor avait calculé qu'un jour tu traverserais les dimensions pour tenter d'entrer en contact avec la flamme. Je ne sais pas comment te l'annoncer, mais Lynx, c'est en réalité ton père. Ah ouais? Ok, c'est Wazuki. Eh mais c'est papa! C'est Daron! En s'approchant de la flamme, une certaine instabilité psychique l'a gagné. Il fut métamorphosé à tout jamais en te voyant terrifié à l'article de la mort. Ah, ce qui explique qu'il a la tête d'une panthère en fait, Lynx. C'est un mélange avec la panthère qui a attaqué son fils. Une fois son mental totalement brisé, il perdut son âme et Sor put facilement s'emparer de tout son être. Sor fit de Georges son interface biologique en le transformant en ce que tu redoutais le plus à l'époque, une panthère. Bien que Georges parvint à fuir Chronopolis avec toi, il succomba rapidement à Sor par la suite. Les humains sont si fragiles, si illogiques, si imparfaits, l'amour et la haine, la vie et la mort. Peut-être Sor lui-même rêvait-il d'utiliser la flamme pour un jour se réincarner en une nouvelle espèce. C'est infiniment triste, tout comme nous observons la flamme nous observe en retour. Alors là, je parle à Luca. Te voilà enfin, Serge. Quand cette triste histoire a-t-elle commencé? Était-ce il y a 10 ans, lorsque tu as failli te noyer ici, ou bien il y a 14 ans, lorsque tu as été grièvement blessé par cette panthère démoniaque, suite à quoi tu as été transporté à Chronopolis, où tu es entré en contact avec Sor et la flamme gelée, ou était-ce plutôt 2400 ans dans le futur, quand le cataclysme temporel a renvoyé Chronopolis à l'ère préhistorique? Ou alors, était-ce 12 000 ans avant notre ère, lorsqu'un ancien royaume magique a provoqué son effondrement en tentant d'utiliser la Vos avec... Enfin, tu sais, d'utiliser la Vos.
Je comprends rien, au secours. Ah ouais? À ce point, Nodoka? Comment vas-tu? Deuxième semaine de vacances. Toutes ces possibilités s'approchent de la vérité tout en étant à la fois très loin de la réponse exacte. Tout a réellement commencé lors de la destruction de l'antique civilisation de Zyle. Alors que le palais s'effondrait autour d'elle, la princesse Sarah. Je connais ça! Oh, c'est Sarah! Sur Netflix, hein? Où est Lavinia? A été happé dans un vortex dimensionnel, tout comme le réceptacle sacré de Lavos. Ah, mais voilà, c'est Princesse Sarah, c'est comme ça qu'il fallait me l'expliquer. On va se mettre le générique tout de suite. Et Lavos ont fini par fusionner et ont évolué en une entité encore plus puissante, le dévoreur du temps. Contaminé par la haine et la tristesse de Lavos, la moitié de la conscience de Sarah était déterminée à détruire toute existence, pourtant l'autre moitié de son esprit désirait sauver l'univers ainsi qu'elle-même. Lorsque Sarah a traversé le portail temporel dans cet état, tes pleurs ont résonné et lui sont parvenus à travers le temps. C'est à ce moment-là que son histoire et la tienne se sont entremêlées. C'est également là que le passé et le futur ont commencé à se croiser et que le monde a été divisé en deux. Oui, Serge, tes pleurs ont touché la princesse Sarah. Ah, en plein cœur. Avant que ses instincts destructeurs ne prennent définitivement le pas sur son esprit, elle a créé un clone d'elle-même qu'elle a envoyé dans cette dimension. Sarah a dû se séparer du bébé et lui a confié son ancien pendentif aux propriétés magiques. Il avait pour but de protéger le clone, sa fille. Toute situation pouvant la mettre en danger de mort. Le pendentif est remonté encore un peu dans le temps pour mettre sa fille en sécurité à un point du passé très proche. Oui, Kid est le clone de Sarah, sa fille. C'est faux, je suis moi. C'est tout, je ne suis pas le clone ni la fille de cette Sarah. Oui, c'est bien Kid. En ce qui concerne le projet Kid, le projet de contrôle temporel planifié par Gash, il a été mis en œuvre pour te mener à ce point précis du temps. La fondation de Chronopolis, le cataclysme temporel, ainsi que la lutte entre sort et les dragons divins, tout cela a été organisé pour que tu obtiennes la croix du temps et que tu arrives à cet endroit. Bien entendu, Kid ne devait rien savoir de ce plan avant une date ultérieure lorsque tout sera terminé. Ouais, t'as vu, il y a tous les persos de... On retrouve aussi Luca et les persos de Chronocross. À un point plus éloigné dans le futur, Kid est censé revenir 10 ans en arrière à partir d'ici pour sauver Serge de la noyade. Bah, du coup, c'est pour ça qu'on tombe sur elle. Elle devait également appeler Serge pour le mener dans l'autre monde alors qu'il discutait avec Lina ou Lena ici même sur la plage d'Onassa. Tu es notre dernière chance, notre dernier espoir. Toi seul, qui est entré en contact avec Sarah et avec son clone Kid, peut le faire. Dans le néant qui existe par-delà le temps, Sarah a fusionné avec le dévoreur du temps. S'il te plaît, Serge, délivre Sarah des liens qui la relient à ce monstre et à sa propre rancœur. Montre-nous et montre à toutes les formes de vie qui existent sur cette planète de quoi sera fait notre nouvel avenir. Ah bah non. Oh, il faut utiliser quoi là pour y aller là? L'œuf du temps? Rejoindre le néant temporel. Ok. On est parti? Voilà le portail final. Celui qui mène au néant temporel. Ce sera bientôt terminé. On fonce. Foxy ne connaît que la destruction. Allez Serge, on se bouge. Mon pote la fait pas attendre plus longtemps. Elle t'attend, toi et toi seul, et depuis plus de 10 000 ans, si je peux me permettre. Si le monde doit être détruit, qu'il le soit. Si l'histoire doit changer, eh bien qu'elle change. Voilà de quoi rêvent vraiment les Radical Dreamers. Hop, lève le poing au ciel, on se transforme, c'est parti. Voilà, tous les effets de... Oula! Tous les effets de la PlayStation, là. Ah oui, elle est là, Princesse Sarah. Elle est blonde hein, dans cet univers. Hein. Alors, il est quelle couleur? Il est blanc. Ça commence bien. Ah bah, il va faire que des Oméga, vous allez voir. On va être full bien. Hein. Oméga vert. Bla, Splush. Bon alors attends, est-ce qu'on a quelque chose pour lui calmer sa Jima là? Parce que ça va pas le faire. Hein.
Moitié moins. La défense magique de l'ennemi. Mais quelle merde. Augmenter ma défense magique ma... Magima. Ouais, avec lui, j'ai pas trop de quoi affaiblir sa magie. Pas de magie blanche, ça servirait à rien. C'est marrant parce qu'il est magie blanc et il a envoyé une magie verte. Ok, donc il doit jouer tous les éléments. Ça se trouve, il va changer aussi d'éléments. Donc avec Serge, ça sert à rien de faire une attaque blanche. Ça serait pas très intelligent. Ouais, je vais diminuer sa puissance magique. Hein. Ouais, pas ouf. Diminuer son attaque. Ouais, l'ambiance, c'est marrant. Ouais, ils ont pas mis de musique, ils ont mis comme si tu tombais une sorte de trou. Ah oui, il fait que Oméga Vert. Ah mais d'accord, et que ciblé sur le même pour le moment. C'est bizarre cette strat. Pourquoi il fait Oméga Vert en plus sur Borxi? Je comprends pas. J'avoue, je comprends pas la strat là. Parce qu'en plus, c'est même pas une magie opposée à l'élément de Borxi. Je comprends pas pourquoi il le cible lui en fait. Je vais lui mettre un bouclier pour voir. Ah maintenant il fait prison de ronce. Ouais, il en a après Borxi, je sais pas pourquoi. Comment il fonctionne? Peut-être parce que il fait tout simplement de la magie noire, Borxi. Et comme c'est son élément opposé, il veut le détruire, la menace, le plus rapidement. Ah ouais, cette non-musique est dérangeante, vous trouvez? Ouais, le bouclier était un bon choix, hein. Un petit soin. Question philosophique, pourquoi Borxi mais pas Geyser? Petit Dragon Punch. Ah, il change de cible, tiens. Hmm.
Alors, ça va pas lui faire beaucoup de dégâts, mais je garde un petit peu de niveau de... pour faire des trucs. Ah oui. Ça lui fait pas beaucoup de dégâts. 3, c'est pas beaucoup, hein. Vous avez vu ce 3 un peu? C'était chouette, hein. Vous avez kiffé, hein. Vous avez kiffé cette attaque, hein. La puissance d'un homme. Wouah, la magie, ça sert absolument à rien. Ça sert à rien que je craque de la magie sur lui, hein. Ok, d'accord, j'ai compris l'idée. Il a une putain de défense magique. C'est Emi magique, hein. Ça c'est mieux. 300 de dégâts, c'est mieux. Mais alors pourquoi il fait que des attaques vertes? Ces arbres, ça? Bah ouais, j'ai pas compris, ton trou noir il a fait un 6. Ah, parce qu'il est magie blanche. Oui, parce que en fait, c'était une... En fait, elle est pas de l'élément inné. Et visiblement, Borxy... Borxy arrive à s'en sortir, ouais. Mais tu vois, là, si je... Bon, là, je vais l'envoyer figure au point. Mais je pense que... c'est juste parce qu'il est vraiment de l'élément opposé. C'est pour ça que Borxy a réussi à lui faire super mal. Là, c'est plus une attaque physique, ça. Bon là ça sert à rien, on va défendre. Mais c'est vrai que 600 c'était bien. Après je lui ai baissé sa défense magique et visiblement les magies, ouais, les magies il a pas aimé hein, celle-là. Mais par exemple Kid va pas me servir à grand chose. Hein. On va faire un petit soin de groupe. Une caméra qui a changé. C'est pour ça qu'on voit rien. Là... Je vais encore lui diminuer sa... sa défense magique. Ah non, son attaque magique, pardon. Son attaque magique, excusez-moi. Je suis en train de voir là, je peux l'attaquer qu'à un endroit ce... Ah putain, empoisonné, il a pris un peu cher. Ouais, on peut pas... Ok, non, parce que comme je vois qu'il y a Sarah sur lui, je me posais la question d'un seul coup. J'ai pas le truc, là, pour envoyer... le statut sur le mec en face. Mmh, ouais, non, ça doit être... On va pas être celui qui l'a. Est-ce que je me fais un petit soin? Faire un petit soin. Puisqu'il est empoisonné. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer l'aspirateur pendant ce combat.
extraordinaire. Ouais, parce que j'ai peur que si je craque un volcan, ça serve absolument à rien. Ouais, je l'ai pas activé. La magie qui m'intéressait pour transférer les états. Il fait que Omega Vert pour le moment. Il aurait changé de team, mais non, il fait ça que sur Serge. Ah, séisme, on change de couleur. Aïe. Ah bah oui. Moitié moins, visiblement ça. Mais par contre, il nous fout tout un tas d'états à la glande. Ah oui, je peux transférer que les miens. Puisement. Ah, j'en profite pour... Ah mais merde, j'ai à moitié moins d'activer. Je vais le transférer épuisement, si ça marche. Bizarre ce combat pour le moment. Alors déjà je comprends pas ce qu'il fout avec ces éléments en face. Parce que c'est une plaque tournante. Est-ce qu'il change d'élément quand tu lui as fait suffisamment de dégâts? Je comprends pas l'idée pour le moment. Là, il refait séisme.
Je lui envoie un petit champ de gravité. Ouais, champ de gravité, ça lui fait rien. Trou noir, il aime pas, mais champ de gravité... Le OZEF est présent. Petit glissé coupé. Et il est reparti au mégavert maintenant. Mais c'est salve de lave, mais à mon avis, ça va rien lui faire. Ouais, 64, pas ouf. Aki ne me sert pas grand chose, hein. Capi laser. Ça aurait pas. Je pense pas que ça va faire un. Ouais, 213. Bon, c'est pas mal encore. Je m'attendais à moins. Je m'attendais à une centaine de dégâts. Ouais, il a commencé à prendre là. Quand je le soigne. Ah, ça va, 109? Ok. Je sais pas pourquoi Omega Jaune lui fait moins de dégâts que. Omega vert. Épuisement, ça va faire en sorte que vous tapez moins que vous tapiez moins fort, je pense. Alors j'essaie de lui envoyer une petite chute libre. Cent soixante, plus que rien. Là il nous envoie un peu de foudre. Le temps s'obscurcit là, il pleut. Ouais, ça va. Dégâts, somme toute corrects. Il est étrange pour le moment ce combat. Vraiment bizarre. J'augmente l'attaque de Borxy. Il fait surtension maintenant.
C'est quand même bizarre, hein, cet ennemi magie blanche qui fait que des magies vertes et des magies jaunes. Et qui applique pas mal de statuts. Du coup, de mon côté, j'écoute de la musique épique. C'est vrai que je suis désolé, mais l'ambiance, bah, je vais pas trahir l'ambiance du jeu, hein, mais c'est vrai que la musique est pas... Et peut-être... On va pas s'en souvenir, quoi. Ça va pas être mémorable, hein. Je pense pas qu'on dise, ah ouais, la musique sur ce combat, elle est extraordinaire. Hein. Alors, je vais pas utiliser de magie blanche, hein, évidemment, pour pas le... Là, si j'utilise la croix, ouais, ça va faire élément joker, ça va pas m'intéresser. La musique, elle brille. J'ai pas envie de le regen, c'est pour ça que j'utilise... Bon, ouais, je vais mettre une petite hypergravité à la con. Ah, je peux... Attends, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas un œil de faucon? Ah, je vais mettre un petit œil de faucon. Œil de faucon sur Borxy, tiens. Bah je pense que c'est volontaire qu'ils aient pas mis de musique pour le moment, parce que genre t'es dans la distorsion et tout, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas insisté sur la musique. Mais c'est vrai que du coup ça donne un combat, t'as l'impression d'être dans le vent et de tomber, faire une chute infinie. Bon, je vais balancer... Ah parce que si je mets champ rouge, ça va servir à rien. Bon ça va pas faire beaucoup de dégâts ça. Salve pourpre. Il refait un séisme. Mais je comprends pas la stratégie de l'ennemi en fait. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il arrive pas à mettre le champ tout de la même couleur? Ouais. Petite hypergravité. Ouais, ça fait rien. Il n'y a que trou noir qui marche. Et les coups dans la gueule. Un mini soin à Borxy. C'est marrant parce qu'il fait pas des. Il fait pas des dégâts. Genre il fait pas des dégâts de dingue. Hein. Tu vas me dire nous non plus, hein.
Que je tente un pillage pour le LOL. Bon, on lui a piqué un truc. Ah, un élixir, super. C'est exactement ce dont on a eu dans un élixir. Alors, est-ce que trou noir, ça leur fait un peu mal? ...235, pas ouf. 10 basses. Deuxième partie. Ouais, maintenant il va se vénère, non? On va se battre contre Sarah. Non, on change de dimension. Qu'est-ce qu'il fait? What? D'accord, la bananing c'est tuer la gamine, ok. Donc ça c'est une fin. Putain, c'est bizarre hein. Mais comment on est censé la sauver? Parce que moi j'ai eu un succès, tuer le dévoreur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, c'est... ce finish anti-climax. Non, mais il doit avoir un truc, hein. Je pense que Nodoka a raison, on doit avoir un truc, on doit pouvoir... Putain, il faut peut-être utiliser la croix du temps, non? Bah, alors, je sais que le jeu a plein de fins, donc je pense qu'il y a pas mal de bad endings dans le jeu. Donc ça, c'en est une. Tu tues le dévoreur et en fait, bah, tu sauves pas Sarah, je pense. Musique. Attends, on va relancer le combat, c'est pas possible, hein. Bah, moi, je m'attendais pas à ce que ça parte directement non plus avec le staff roll, quand même. Ah, c'était vraiment une joke. Ah oui, je pensais que tu savais, Nodoka. D'accord, je pensais que tu savais. Mais après, je pense que t'as raison, dans le fond. Je pense que c'est une forme de bad ending, hein. Alors, de toute façon, on peut pas avoir la super ending machin, là. Ça, je le sais, parce que c'est une suite d'événements qu'il faut faire. Enfin, donc, c'est soit tu sais, soit tu sais pas. Ça, c'est sûr. Ce qu'ils appellent, entre guillemets, la true ending. Mais en plus, ce qui est décevant, c'est que ce combat, ouais, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, parce que il fait rien, en gros, en face. Hein. En face, il fait absolument rien. Et alors en plus, ce qui est étrange, c'est qu'il est magie blanche et qu'il envoie les couleurs qui correspondent pas du tout à son truc. Donc en fait, faudrait y aller avec deux mages noirs. Kidem a pas servi à grand chose. Hein. Alors je pense que dans le combat, il faut utiliser la croix du temps. Ça, je pense que ça doit être un truc qui doit faire quelque chose. Faut essayer de faire ça, voir si ça fait un truc ou rien du tout. J'aime bien le ending movie live footage vacances. Club Vacances qui s'est occupé du footage de fin. Bon, vous assistez quand même à des fins épiques hein, sur ce stream. T'as été sur le wiki. Et t'as vu le staff roll. Là j'aime bien, il y a le ending theme du trésor interdit. Squartz? Testing et debugging, ça s'appelait comme ça? Ça s'appelait Squartz? Ah, c'est marrant ça.
Oui, non, mais ça ressemble à une bad ending. Hein. Ça ressemble à une bad ending. Mais après, je sais pas comment... Je pense qu'il faut essayer, il faut essayer la croix du temps. Parce qu'elle nous en parle, Luca. Elle dit la croix du temps, machin... Je pense que dans le combat, il faut utiliser la croix du temps. Bah, on peut pas faire toutes les autres fins, hein, ça c'est sûr. On peut avoir sans doute peut-être deux fins. Mais il y a des fins qu'on peut, on peut pas avoir. Parce que je pense que ça doit venir aussi peut-être des persos que t'as dans ton équipe. Devenir ce que tu fais aussi, j'imagine. On va essayer la croix du temps, on va essayer la croix du temps, on va voir si ça fait quelque chose. Ouais, c'était Square, hein. Putain, c'est vraiment les crédits d'époque, hein. Il y a 11 fins? Putain, je pensais pas que c'était tant. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais je savais pas que c'était 11. Un avenir inéluctable, là, j'ai obtenu. Sauvegarder la partie. Je vais la sauvegarder où je veux ou pas? Je vais mettre non dans le doute, hein. Parce que le truc, j'ai pas dupliqué mes saves. Alors s'il le fout sur le même slot, ça veut dire que je suis obligé de me retaper le combat avant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est quoi? C'est là, ça nous remet l'intro? Même s'il a dû garder la sauvegarde auto. Ouais, on a eu une fin, mais on n'a pas eu... On a eu une bad ending, à mon avis. Alors, attends, on va essayer... On va essayer. J'imagine qu'on peut directement aller sur le combat. Je vais essayer d'utiliser la croix du temps. De toute façon, on a le temps de tester jusqu'à midi, alors on va voir. Par contre, je sais pas ce que je vais faire cet après-midi. Parce que je m'attendais pas à ce que le combat déjà soit comme ça, en fait. J'imagine qu'on n'est pas obligé de leur parler, là. Ah, attention, on est reparti pour l'aspirateur. Attends, je passe ça, on l'a déjà vu. Je vais essayer d'utiliser la croix du temps, en fait. Je vais faire charger Serge pour utiliser la croix du temps. Il fait prison de ronce cette fois-ci, marrant. Attends, je vais peut-être pas trop le taper quand même. Ça change absolument rien. Hein.
À part que je vais prendre cher sur la prochaine attaque. Ouais, il faut peut-être se faire tuer par le... je vais casser le champ vert là parce que sinon... Ben je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Faut peut-être jamais l'attaquer en fait. Faut peut-être tout le temps défendre. Ouais, mais je peux même pas utiliser de magie. Parce que je peux pas taper ailleurs. Attends, y a pas un truc que j'ai raté, genre. Non, je. Ouais, non, je peux taper que le dévoreur du temps. Ah, c'est vraiment bizarre ce truc. Se trouve, faut jamais le taper en fait pour que. Quelque chose qui se déclenche. Ou alors, il faut lui faire suffisamment de dégâts et puis faire un truc à un moment particulier. Bah, oui, tu peux backseat parce que je pense que je vais pas trouver. Hein. Je pense que je vais pas trouver. Hein. J'ai aucune idée. Je pensais qu'en utilisant la croix du temps, ça allait faire quelque chose, mais ça marche pas. Mais comment je fais pour le battre en utilisant la chronocross? Ça fait pas de dégâts? Faut que je l'utilise un moment dans le combat et que je le batte alors. Parce que ça fait pas de dégâts hein, la chronocross. C'est juste qu'il faut que je l'utilise, non? Si? Ah, un item, si, mais je peux pas l'utiliser. Si, il y a un item, mais on peut pas utiliser d'item dans le jeu. C'est également un objet, mais en soi, on peut pas s'en équiper. C'est juste une magie, en fait. Mais on sait pas à quoi elle sert. Alors c'est pour ça que du coup, je pensais que ça faisait quelque chose, mais c'est peut-être juste qu'il faut le battre en ayant utilisé la chronocross. C'est peut-être juste ça. Ah, c'est ce que j'avais supputé en fait, que la chronocross ne fonctionnait que quand toutes les couleurs étaient activées. Ok, c'est bien comme ça qu'elle a un effet particulier. Ok. Dac, alors attends. Merde, je peux. Est-ce que je peux reload? Attends, je vais. Je vais sortir du jeu. Non, mais tu te rappelles, j'avais mis la supputation, j'avais dit, à moins que pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'il y ait toutes les couleurs d'actives. Alors, attends. Donc, par contre, pour ça, ça veut dire qu'il faut que je mette toutes les couleurs sur tous les persos pour que ça soit plus simple. Mais je crois qu'une fois je l'avais fait puis ça n'avait pas eu d'effet, mais ça se trouve ça n'a d'effet que dans ce combat en fait. Bon, de toute façon elle nous sert à rien donc... Donc on va lui garder, ouais elle doit avoir une attaque rouge quelque part de toute façon.
Ouais, hop, c'est bon, boule de feu. Ah oui, mais elle a déjà toutes les... C'est vrai qu'elle a déjà... Elle a déjà pas mal d'attaques, d'autres couleurs, aérodisque. Hop, petite secousse, voilà. Ensuite... Ça sert à rien de mettre des attaques jaunes et vertes parce qu'ils risquent d'en utiliser. Bon, on va quand même en mettre une. On s'en fout de façon qu'elle fasse pas de dégâts. Le but c'est juste d'avoir des couleurs. Qu'est-ce qui manque? Blanger. J'ai noir, haute résistance. J'imagine que des buffs ça fonctionne aussi. Je vais mettre un peu de bleu. Bulle d'eau c'est combien? 3. Bon, de toute façon on s'en fout même si ça fait pas de dégâts. Allez, on essaie. Pas dit qu'on y arrive. On va essayer, mais... Bon, faut être attentif aux couleurs, là. Bon, en sachant qu'on va pas miser sur le jaune et vert, parce qu'il devrait faire jaune et vert. Faut miser sur les autres couleurs. Et il faut quand même que je me mette un petit bouclier aussi, parce que celui qui va cibler va prendre un peu cher. Donc là c'est parti, vert. Ça fait un petit peu de dégâts. Est-ce que je peux mettre du blanc avec un soin de groupe? Parce qu'il faut pas non plus que je prenne trop de dégâts. Il faut le battre aussi quand même. Et elle va remettre du vert. Là, on va mettre magie noire. Oui, ça va pas être facile d'avoir les bonnes couleurs. Donc là, on va rien mettre parce que lui, il faut que je le fasse monter. Il va rejouer au bout d'un moment, le problème c'est qu'il va jouer vert lui. Ah mais je sais comment faut faire. Il faut mettre les parts machin, non ça se trouve les parts trucs fonctionnent sur lui. J'y ai pas pensé. Parce que là il va rejouer soit vert soit jaune. On a déjà mis du rouge, on va mettre un peu de bleu. Mais ça se trouve il faut lui parer ses couleurs pour réussir à avoir ça. Mais est-ce que ça fonctionne sur lui, je sais pas. Parce qu'il va rejouer vert. Du coup, il faut dire qu'on remette.
Ou qu'on remette du blanc, du rouge, du jaune. Attends, j'ai quoi là? Bleu. J'ai quoi? Noir. Ouais, est-ce qu'on a un peu de blanc? Donc là, on a noir, bleu, vert. Ah, j'aurais dû mettre toutes les couleurs à bord, si en fait, parce que là, je vais pas m'en sortir. Là, il va rejouer vert. Ça va pas être facile hein, d'avoir une strat, mais je pense qu'il doit falloir lui bloquer les couleurs parce que je vois pas comment tu peux faire. Donc là. Ouais, là on n'a pas. On peut mettre bleu. Je comprends mieux pourquoi il fait aucun dégât en fait. Enfin, pas vraiment. Ouais, là je peux rien faire, il manque noir et jaune. Ah mais non, il joue bleu. Alors en plus il joue vraiment des couleurs random en fait, il peut jouer du bleu jusqu'ici mais on n'avait jamais fait. Ouais parce que je pense que lui il essaie à tout prix de casser les couleurs, ça doit être ça son truc. Bah t'es obligé de backseat, t'as aucune chance de trouver comment ça fonctionne. C'est genre obtenir les fins cachées, c'est pas... En règle générale c'est pas faisable. Ouais donc là ça va pas marcher parce qu'il va réutiliser... Mais je pense qu'il faut lui mettre tous les remparts pour le forcer à changer de couleur en fait. Je pense que c'est ça la strat. Parce que là il va rejouer vert. Ou bleu, je sais pas. Ouais donc ça marchera jamais comme ça. Il n'y a aucune chance que ça marche. Il n'y a aucune chance que ça marche comme ça.
Parce que si t'arrives pas à le bloquer, tu seras obligé de prendre une magie et tu peux pas savoir laquelle ça va être. Alors à moins qu'il ait une manière de fonctionner, mais je pense qu'on peut pas savoir quelle couleur il va jouer. Est-ce que je peux fuir? Ouais, je pense que à mon avis, si t'as pas. De toute façon, je peux pas le faire parce qu'il faut avoir une magie particulière, faut avoir tous les trucs de parade, machin, et si tu les as pas, en sachant que c'est pas sûr que ça fonctionne sur lui. Je suis pas sûr que tu puisses faire quelque chose en fait. Ouais, je vois pas comment tu peux faire en fait. Il y a peut-être un objet qui facilite ça, parce que là, avec ce que j'ai, c'est pas vraiment possible. Je peux pas. Je vais essayer, mais alors à moins que je cherche tous mes persos. À moins que je leur mette une couleur de chaque sur le premier. Non, j'ai déjà ça. Il manque quoi, jaune? Je sais comme ça, mais sinon, ouais, je vois pas. Je pense qu'il faut vraiment. Soit il y a des objets qui facilitent ça, soit il y a vraiment une strat très particulière pour réussir à faire ça. Parce que le problème, c'est qu'il change, il joue toutes les couleurs, et du coup, tu peux pas le bloquer. Enfin, si, je peux bloquer les couleurs, mais je vais bloquer les couleurs de tout le monde. Ce qui fait que ça ne marchera pas, non plus. En plus, je peux pas vraiment utiliser Serge parce que l'attaque croix du temps, c'est 8 de niveau. Bon, je pense que dans un premier temps, il faut peut-être juste taper pour faire monter les niveaux et défendre. Sans rien utiliser d'autre, en fait, pour voir la couleur qui va jouer. En lui mettant peut-être un moitié moins, ouais. Pour ne pas trop prendre la gueule dans la magie dans la gueule.
Oh putain, il joue deux fois, là. Ça, c'est marrant. Il a jamais fait, ça. Jouer deux fois de suite, quasiment. Et il a plein de carnivores aussi. On a pu lui piquer. Ah mais non, merde, fais pas que je joue rouge. Ah putain, quel con. J'ai de la merde en plus. Si ça joue pas... Ouais, mais là il va rejouer vert. Hein. Ouais, je pense qu'il me manque un truc. Il doit avoir un truc qui doit permettre de... Ah, parce que là il va rejouer vert. Et là, on a... Est-ce qu'on a toutes les couleurs là? Rouge, bleu, vert. Ouais, là on avait toutes les couleurs là. On avait les 6 couleurs là, c'était bon. Mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il joue pas. Ce qui est pas possible. Donc là il va rejouer vert et on est reparti pour faire bleu-rouge. Bon alors j'anticipe. J'anticipe qu'il va faire vert et je balance rouge. Donc la bleue. Et là, il va pas faire vert, il va faire tu sais une autre couleur. Ah! Attends, on les a toutes là? On est bien là. Vert, blanc, noir, jaune. Rouge et bleu. On a les 6 là. Allez go.
Et donc là, si vous mettez là, il faut le battre, c'est ça? During the fight, use the then closing out with the chrono cross. Mais non, on bourre quoi. On bourre. Qu'on en bourre, ouais. On a 99 là d'activer. Ouais, champ de gravité, ça fera rien. Si j'ai pas trop noir, ça sert à rien de le taper. Tu crois que ça a foiré? Bah qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi je peux pas faire mieux hein. J'avais les 6 couleurs et j'ai balancé la... J'ai balancé la croix. Je sais pas ce que le jeu attend alors dans ce cas-là. C'est possible hein, que ça ait foiré. À un moment où je lance le sort, c'est censé l'OS, mais comment tu fais alors? Parce qu'on est bien d'accord que j'avais toutes les couleurs, il y a un ordre peut-être alors des couleurs, non? Ou alors il y a une condition qui n'est... Il y a peut-être une condition qui est antérieure au combat final. Ah bah écoute, je sais pas, là après moi j'ai pas tous les éléments. Là je peux pas savoir ce qu'il faut faire, hein. c'est trop obscur quoi. Si le jeu te veut pas te le dire, il te le dit pas, donc tu peux pas... Je peux pas deviner, hein. Ça fait partie des choses. Oui, oui, tu peux backseat. Oui, bah oui, tu peux backseat. On trouvera pas. C'est, je veux dire, à l'époque, vous pouvez être sûr que les gens n'ont pas trouvé en fait. C'est parce que ça a été donné par les développeurs, ce genre d'infos. Tu peux pas savoir. C'est impossible de trouver. C'est le jeu et c'est tout le problème du jeu d'ailleurs. Il est trop cryptique en fait par moment. Il veut qu'on fasse des choses juste pour avancer, mais il a oublié de donner les informations. Ah, il y a vraiment un ordre en fait. Ouais, mais c'est un... par contre, c'est pas possible de respecter un ordre. Ouais, par contre, c'est quasiment impossible de respecter un ordre. Parce qu'en fait, le problème, c'est que... Enfin, si, c'est faisable, mais... Mais comment tu t'es censé savoir qu'il y a un ordre? C'est ça qui me rend le plus malade. Le jeu est vraiment débile, hein. Le jeu, par moment, est vraiment un peu débile, hein, quand même. Parce que déjà, tu fais toutes les couleurs, mais en plus, il y a un ordre, mais alors... Sauf que le jeu, il dit pas qu'il y a un ordre. Hein? C'est quand même fait par des gens qui sortent pas de leur cave, hein. Je suis désolé, mais là... Enfin, c'est des trucs qui... On a vraiment l'impression que c'est fait avec les dealers de Solus. Tu vois, que le but c'était de vendre des bouquins de Solus, parce que ça c'est introuvable, tu vois. Tu peux avoir une idée d'utiliser toutes les couleurs, sauf qu'il y a un bon ordre, mais alors l'ordre il t'est donné où? Parce que la croix du temps, faut décrypter les... Parce que je sais même pas si elle a une couleur, attends, fais voir. Ouais, tu vois, t'as même pas les couleurs dans cet ordre-là, quoi. Quand tu regardes l'objet. Peut-être dans la description. Bon, du coup, ça sert à rien que je m'embête, quoi. Bah écoute, on va s'arrêter là, hein. Ça sert absolument à rien que je m'embête.
Bon, peut-être qu'on réessayera à l'occasion, mais je trouve ça... Honnêtement, je trouve ça vraiment débile. Attends, fais voir s'il y a quelque chose dans la description de l'objet. Il y a peut-être... Attends, il y a peut-être un truc dans la description de l'objet, par contre. Mais je trouve ça quand même ultra débile. C'est vraiment un truc pour vendre des bouquins de Solus. Comment tu veux trouver ça, quoi, tout seul? Non, il n'y a aucune... Il n'y a aucune... Ouais, y a... non, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste le dernier élément apparu depuis l'éternité de l'attribut de la 7ème couleur. Alors, à moins que dans le jeu, il y a un NPC qui te le dise, mais alors, pareil, il faut tomber sur le NPC. Bah, en tout cas, merci, parce qu'on saura comme ça. Parce que là, il n'y avait aucune chance de deviner... Par soi-même, c'est impossible de deviner. Franchement, c'est juste que t'as été voir une Solus. Tu peux te douter qu'il y a un truc avec toutes les couleurs, par contre l'ordre, à moins, je te dis, à moins qu'il y ait un NPC qui te le dise et que tu sois tombé dessus, il n'y a pas vraiment d'autre chose. Quel merdier. Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Franchement, c'est pas très grave. En sachant que c'est même pas, si ça se trouve, après, pour avoir la true ending, doit falloir peut-être en plus des persos que t'as débloqués. C'est juste pour refaire le jeu, en fait. C'est ce qu'on disait, hein. C'est un jeu qui a été énormément basé sur rejouer au jeu pour avoir toutes les subtilités, connaître tout. Donc c'est pas, c'est pas tellement surprenant, au final. Après, je pense que ça se fait, hein, une fois que tu le sais. Mais c'est vrai que, bon, si tu le sais pas... Alors, je pense que le boss, c'est pour ça qu'il joue que très peu de couleurs, par contre. Ça doit se faire, hein, mais c'est vraiment un petit peu... Je pense que ma strat est pas mal, mais il doit avoir des petits trucs en plus. Bah déjà au début, faut charger, faut mettre toutes vos magies les plus faibles de toutes les couleurs sur votre level 1. Au début, il faut faire que taper. Pour le faire jouer que lui. Et après, ouais, bah, il faut absolument respecter la couleur, quoi. Yellow, alors c'est quoi la vraie couleur? C'est vrai, quoi la vraie suite? Ouais, c'est yellow, red, green... Blue, black, white. Ah, c'est vraiment pas facile, ouais. Parce que le problème, c'est qu'il faut jouer dans cet ordre-là, mais que lui, il va venir remettre du green. Et à partir où il m'a remis du green, c'est foutu. Parce que s'il met... Si je regarde cet ordre-là, quand il met du green... Après, il faut remettre blue, black, white... Yellow, red et red, et red et il faut que ça soit autour de Serge de jouer, quoi. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Alors, je pense qu'il y a une strat, hein, pour l'obtenir à coup sûr, mais c'est vraiment pas facile, en effet. Après, j'imagine que c'est vraiment pour avoir une fin. J'espère que la fin, elle déchire, par contre. Hein. Parce que sinon, si tu fais tout ça et que t'as un pauvre staff roll qui part, t'es dégoûté, quand même. Bon, à l'occasion, on pourra retenter. Parce que ça vaut le coup. Mais c'est vrai que ça reste un peu trop... Un peu too much. Je trouve que c'est un peu too much comme condition. Rien que pour obtenir la Chrono Cross. À la limite, ils auraient mieux fait quand même. T'obtiens une fin si t'arrives à activer la Chrono Cross avec les couleurs dans le désordre. Et une avec... avec une couleur dans l'ordre. J'aurais trouvé ça moins cul, en fait. Là, je trouve ça vraiment débile. Parce que vraiment, là, t'as vraiment jamais pensé aux joueurs, en fait. C'est un peu, quand même, tu te fous de leur gueule, parce qu'ils ont quand même pensé une cinquantaine d'heures. Et à la fin, tu mets un truc un peu bizarre. Et c'est un peu dommage de pas avoir récompensé, ne serait-ce que de penser à utiliser la... Tu vois, une fin, parce que tu utilises la voie du temps, la Chrono Cross. Non, on n'a rien vu, t'as rien raté, Fréon. T'as rien raté, parce qu'on peut pas l'activer, c'est super... Enfin, c'est pas que c'est... On a pas le temps, en fait. C'est super chiant, il faut activer les couleurs dans le bon ordre. Ce qui est super pénible. Mais ouais, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils auraient dû mettre plutôt ça, en fait. À quand le speedrun de Switch Sports? Jamais. Jamais, on aime le jeu vidéo ici. Et ouais, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas mis... Tu utilises la Red Cross, même si c'est n'importe comment pendant le combat, t'as une fin. Ça se trouve, c'est le cas. Hein. Ça se trouve, c'est le cas. Ce que je suis en train de dire, c'est peut-être le cas. Mais je trouve ça vraiment l'histoire de... Que la Chrono Cross s'active uniquement quand t'as les bonnes couleurs dans le bon ordre... C'est un peu pénible. Après, si ça se trouve, si t'actives la Chrono Cross, t'as une autre fin. Ça, je sais pas. Vous avez vérifié les conditions d'obtention des autres fins? Avec vos wikis, là? Ou c'est juste une histoire de perso, de machin, ou c'est... Après, ça peut venir de l'histoire de la Chrono Cross. Parce que je trouve ça quand même un peu tendu.
Et il y en a une qui fait intervenir juste utiliser la chronocross n'importe comment. Pour quand même récompenser les joueurs d'y avoir pensé. Parce que je trouve ça vraiment... Je trouve vraiment acheter ma Solus. Non ? D'accord. Ouais, c'est vraiment pour aller acheter ma Solus. Ouais, c'était vraiment ça. Donc là, il y a un deal qui avait été passé avec les vendeurs de Solus. Claire. Clairement. Parce que côté une fin cachée, je veux bien, mais là, c'est un peu violent quand même. C'est un peu violent. Ou en même temps, il y a des trucs absurdes dans les Final Fantasy aussi. Hein. Des fois. Donc, on n'est pas surpris de la part Square. Toutes ces fins sont limite cachées, en fait. Oui, mais c'est ça, je veux bien qu'il y ait des fins cachées. Bon, après, t'en as une, mais c'est vrai que le seul truc, par contre, c'est que tu te dis, il y a un truc qui va pas. Quand t'arrives et que t'as cette fin-là, tu comprends bien qu'il y a des fins cachées. Parce que bon, tu te dis, j'ai le staff roll direct, c'est bizarre. Tu te dis, c'est vraiment étrange. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. Bon, pour le moment, sur Chrono Cross, on considère qu'on a eu une fin, après, hein, de toute façon. Vous savez où est YouTube. Si, à l'occasion, on retentera, je pense, quand même. Mais sinon, on va pas se prendre la tête avec ça. Je pense que ça n'en vaut pas la chandelle, en fait, malheureusement. Je trouve que c'est un petit peu trop... C'est comme quand t'as loupé un perso, bon ok tu l'as loupé, mais ça peut te faire carrément rater des armes. Ils ont été vraiment... Ils ont été dire bon, va falloir l'aimer notre jeu, hein, parce qu'il faut rejouer. Genre la 9ème fin, Dark Serge Harley et Kid arrive à Chronopolis, ready to steal the Frozen Flame in Zen Successive. Et comment tu fais pour les avoir dans les équipes? Comment tu fais pour les avoir les trois? Parce que moi je sais même pas comment on conserve Harley, hein. Et t'as déjà changé de visage quand tu retrouves Kid? Ouais, c'est... Non, c'est cryptique, hein. Ça a l'air vraiment cryptique. Ça a l'air vraiment cryptique. Ça a l'air vraiment... Il faut suivre un truc à la lettre. Bon, c'est comme ça. Mais disons que, ouais, par contre, tu vois, c'est ce qu'on disait déjà quand on parlait de ce jeu. C'est bien ce qu'on dit. Les tests à l'époque, ils allaient pas à la fin parce que... Admettons que tu sois de bonne foi, tu termines le jeu, t'écris ton test. Il y a quand même quelque chose qui a dû te surprendre. Ou alors, à l'époque, il y avait... ça se savait, quoi. En fait, il y avait un truc super particulier parce que genre le développeur et l'éditeur avaient fait circuler en disant ouais, faut faire des trucs particuliers pour avoir les fins. Parce que sinon, en vrai, tu sacs le jeu. Tu dis bon, vous avez fait pas mal de trucs, mais fin de merde. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui aurait pu être normal parce que t'as été au bout du jeu, mais je pense qu'il y en a beaucoup, ils y ont joué, allez, 10 heures, 15 heures. Et puis bon, ils ont écrit sur le début du jeu. Ils ont vu un petit peu les possibilités de récupérer pas mal de persos et tout, et puis ça s'est arrêté là. Faudrait lire les tests de l'époque par pure curiosité, mais je pense que les tests étaient très très sommaires. Parce que là, le truc comme ça serait quand même mérité. Ça serait aujourd'hui, le jeu serait testé, je pense que... Enfin, le jeu sortirait comme ça. On saurait qu'il y a des multiples fins et que machin, il y a des bad endings, parce que déjà on est plus habitué. Et puis, les informations véhiculeraient plus vite. Comme tu sais très vite combien il y a de fins dans un jeu qui vient de sortir, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque où tu passais que par les magazines, ça pouvait être un peu plus... Je pense qu'il y en a qui ont dû être déçus. Hein. Mais il faut rappeler, j'aime bien rappeler cette anecdote, qu'il y a beaucoup de gens qui y ont joué à l'époque, mais qui n'ont pas vu la fin parce qu'ils n'arrivaient pas à charger le deuxième CD. Donc c'est ce que je disais hein, quand on disait que c'était un jeu empli de mythes, Chrono Cross. N'oubliez pas ça. Hein. Beaucoup de gens n'y ont pas joué parce qu'ils n'y avaient pas accès. Beaucoup de gens y ont un peu joué et ont vu que le premier CD. Et d'autres l'ont testé mais l'ont pas sans doute pas terminé. Donc il y avait beaucoup de mythes je pense sur le jeu comme c'était à l'époque parce que t'avais pas 10 000 vidéos, 10 000 trailers. Mais ça reste un bon jeu, hein. Attention. Je n'enlève pas le fait que ça reste un jeu assez cool à jouer, encore assez moderne. Mais c'est vrai que par contre tu trouves que c'est quand même un peu tendax les fins wiki quoi. Alors après... Si vous êtes sur PC... Ah, mais je peux faire ça, en fait. Je crois que sur PC, il existe une manière d'avoir toutes les saves avec toutes les pour accéder à toutes les différentes fins. Bon, sauf la fin Chrono Cross, je pense. Puisque celle-là, il faut vraiment avoir les trucs. Mais j'en avais déjà parlé. Il y a des gens qui ont fait ça très tôt depuis que cette version est sortie. Rempli de mythes avec des naphtalines, ouais. Avec de la naphtaline et du bégon. En tout cas, merci d'avoir suivi cette aventure sur Chrono Cross. Peut-être qu'on mettra un petit truc si des fois on retente parce qu'on sait pas quoi faire. Mais grosso modo, on aura quand même vu l'ampleur du jeu. Et bon, c'était quand même sympa, même si cette version est pas excessivement extraordinaire. Elle aurait mérité un petit peu plus. Mais voilà pour Chrono Cross. Je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi.
On verra. On verra. Peut-être qu'on fera un peu de Tetris 99, Vitzef, et puis autre chose. On verra bien. On verra. Bon appétit à tous. Merci d'avoir suivi cette aventure. Merci d'avoir suivi ce stream. Puis nous, on se retrouve à 14h pour... on verra. Bon après-fifi, bon app à tous. Merci d'avoir suivi tout ça. Ciao, ciao, bye bye. Et gaming. À tout à l'heure.